C'est jeudi, il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et je marche sur la pointe des pieds. Comme les soirs où je rentrais après minuit, pour ne pas qu'il se réveille. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâle. J'ai dit non, je vais très bien. J'ai tout à fait clair. Je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père, lui, il a souri. En pensant à côté de sa voiture, j'ai ressenti comme un drôle de coup. Je pensais que ce serait plus dur et plus grisant, un peu comme une aventure, en moins déchirant. Oh, surtout ne pas se retourner, non. S'éloigner un peu plus. Il y a la gare. Après la gare, il y a l'Atlantique. Et après l'Atlantique. C'est bizarre, cette espèce de cage qui me bloque la poitrine. Ça m'empêche presque de respirer. Je me demande si tout à l'heure mes parents se douteront que je suis en train de pleurer. Oh, surtout ne pas se retourner, non, ni les yeux ni la tête. Ne pas regarder derrière. Seulement voir ce que je me suis promis et pourquoi et où et comment. Il est 7h05 et je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne un peu plus. Aujourd'hui, ne plus se retourner, non. Jamais. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole.